prenez du fromage, monsieur ? J'ai pas le choix. Mais certainement, monsieur. Fromage ou dessert ? Bah, je vais peut-être prendre un plat, d'abord. Ah non, ce n'est pas la saison, monsieur. Dessert, alors ? Nos desserts sont très mauvais, monsieur. Fromage. Monsieur a fait un excellent choix. Alors aujourd'hui, spéciale manipulation, on va apprendre à influencer les décisions de l'interlocuteur, à orienter son avis en restreignant les possibilités sur lesquelles on lui demande de se prononcer. L'idée, c'est de présenter un raisonnement ou une question au sein de laquelle la solution du problème est déjà suggérée, ou du moins le panel de solutions possibles est déjà a priori restreint. Plusieurs sophismes exploitent ce principe du faux choix, on les appelle parfois fausses alternatives, faux dilemmes ou encore fausses dichotomies. Le problème, c'est que les liens qu'entretiennent ces sophismes avec ce que les logiciens nomment dilemmes ou alternatives sont un peu délicats à mettre en évidence, donc moi j'ai retenu le terme le plus général, mais aussi le plus éclairant, de sophisme du noir ou blanc. Noir ou blanc, c'est oublier qu'il y a des couleurs, qu'il y a des nuances de gris, tout n'est pas soit noir, soit blanc. Donc le sophisme du noir ou blanc consiste toujours à occulter la richesse ou la diversité de la réalité. Et je vois au moins trois manières de le mettre en œuvre. On peut d'abord présenter une liste des possibilités à examiner qui n'est pas exhaustive, et présenter ce choix restreint comme le seul des choix possibles. On restreint alors le débat en éliminant des trajectoires possibles, alors que la réalité est beaucoup plus riche. Donc par exemple, fromage ou dessert, bah non, en fait, je peux aussi choisir le café. Ou bien, arrête ta partie de jeu vidéo, ou tu seras en échec scolaire. Il y a bien d'autres possibilités. Et puis il y a cette fameuse sortie de George Bush, ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes avec les terroristes. Imaginez que votre interlocuteur veuille vous faire gober la solution A, il va vous dire, soit A, soit B, évidemment en oubliant de mentionner une possibilité C. Par exemple, vous êtes avec nous, ou avec les terroristes, or non B, or vous ne soutenez pas Al-Qaïda, donc A. Donc vous soutenez notre guerre en Afghanistan. Alors variante de ce premier cas de figure, juste avant on aurait pu contester l'un des termes de l'alternative, mais on pourrait aller plus loin en contestant les deux, et en montrant qu'il existe une toute autre alternative, on n'est pas obligé de se laisser enfermer dans un seul choix. Donc par exemple fromage ou dessert, bah non, et pourquoi pas thé ou café. Invasion de l'Afghanistan ou soutien à Al-Qaïda, ben ni l'un ni l'autre, je suis désolé, moi je veux avoir le choix entre deux autres types de modèles radicalement différents. Donc ici le raisonnement commence toujours par un soit A, soit B, et on ne mentionne pas un soit C, soit D. Il faut dire que le terme alternative est ambigu. Dans un couple de solutions, il désigne soit l'un de ses membres, l'une de ses options, soit le couple lui-même. Dans ces conditions, l'expression « il y a une autre alternative » peut apparaître comme un pléonasme ou pas. Donc dans ce premier cas de figure, il existe bien un choix, mais il est restreint a priori. C'est une technique très efficace pour cadrer un débat, pour obliger à rester dans un certain cadre de pensée. On peut aussi combiner le premier point avec un terme repoussoir, c'est-à-dire que l'on choisit la solution que l'on veut imposer à l'autre, et alors non seulement on écarte du débat d'autres solutions possibles, mais la seule solution concurrente que l'on va présenter, on va la présenter de telle manière qu'elle finisse par apparaître absolument repoussante. En combo avec la technique de l'homme de paille, c'est un cocktail absolument détonnant, donc par exemple, telle mesure politique ou la catastrophe absolue, l'énergie nucléaire ou le retour à l'âge de pierre, dessert ou produit laitier bien puant, soit A, soit B, on nommait un C et on propose un B repoussant, or non B, c'est-à-dire qu'il est impossible pour différentes raisons de choisir B, donc A. Donc dans cette deuxième manière de mettre en œuvre le sophisme du blanc ou noir, on voit que l'issue du raisonnement est orientée a priori, il n'y a pas vraiment de choix. On peut enfin montrer qu'il n'y a pas vraiment de choix parce que tous les chemins mènent à la même solution. Et donc ce que l'on va faire, c'est comme dans les points précédents, on va restreindre l'ensemble des possibilités à une seule alternative, au choix entre deux termes. Sauf que là, on va pas montrer que l'un des termes est repoussant, comme dans le deuxième cas de figure, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va montrer que le deuxième terme, en fait, aboutit au premier. Sa véritable conséquence, c'est le premier terme. Le système économique actuel est peut-être injuste, mais il est le seul adapté à l'homme qui est par nature égoïste. Et donc si vous cherchez à changer de système, tôt ou tard, vous finirez par en revenir au précédent.
Ça, c'est un mode d'argumentation bien pratique pour montrer que l'on ne peut jamais rien changer, que l'on n'a aucune prise sur le cours de l'histoire, que tout changement finira de toute façon par nous ramener au point de départ. Soit A, soit B. Or B aboutit à A, donc A. Et donc dans cette troisième manière de mettre en œuvre le principe du pseudo-choix, l'issue du raisonnement est déterminée a priori. Il y a peut-être plusieurs chemins, mais il y a un seul point d'arrivée. Alors le caractère fallacieux de ce procédé vient du fait que l'on présente comme étant une alternative, ce qui n'en est pas une. Normalement, les deux membres d'une alternative doivent couvrir l'ensemble des états possibles d'un phénomène. Donc par exemple, la porte est soit ouverte, soit fermée. Elle n'est pas les deux, elle n'est pas autre chose. Il y a fausse alternative lorsque l'alternative que l'on présente admet en fait d'autres solutions. Par exemple, la porte est soit ouverte, soit rouge. Elle peut être ni l'une ni l'autre, ou bien les deux. Donc on voit bien que le sophisme du blanc ou noir consiste toujours à occulter des nuances de gris, à écarter d'autres solutions possibles. Ce sophisme ou cet ensemble de sophismes tire leur force de l'apparence de choix qu'ils donnent. Dans une conversation ordinaire, on ne les voit pas forcément venir, parce qu'on ne se sent pas immédiatement coincé. Si on se sentait coincé, si on se sentait forcé d'admettre une énormité, on réagirait. Comme un rat que l'on place dans un petit couloir, il peut bien se déplacer un peu latéralement, mais il n'empêche qu'il est canalisé. Et donc on a tendance à admettre une fausse alternative, parce que la manière dont nous sont présentées les choses ne nous semble pas d'emblée déloyale. On peut comparer avec la tactique de l'homme de paille. Lorsque l'on nous présente un homme de paille, on voit tout de suite que notre opinion a été caricaturée. Alors qu'avec le blanc ou noir, c'est le débat lui-même qui est caricaturé. Et donc on est sommé de choisir entre deux solutions, alors que peut-être avec un peu de réflexion, on n'en aurait accepté aucune. C'est pour ça que parfois on l'appelle le faux dilemme, parce que l'on nous demande de choisir entre deux possibilités, que nous refusons également. Comment contrer ce stratagème? Parce que le problème, c'est que cet argument est parfaitement valide, une fois que vous avez accepté la fausse alternative sur laquelle il se fonde. Et donc il faut à tout prix éviter de tomber dans le piège de cette fausse alternative ou de ce faux dilemme, et donc sans cesse rappeler qu'il existe une alternative, ou qu'il existe une autre alternative. Il faut donc avoir la présence d'esprit de rappeler les choix absents du débat, car en général, et particulièrement dans les questions politiques, il y a toujours un continuum, un spectre d'opinions possibles, tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas manichéen. Et donc il n'y a aucune raison légitime d'écarter comme ça d'un revers de la main des opinions, avant d'avoir montré qu'elles sont absurdes. Nos desserts sont très mauvais, monsieur. Allez, dégage. Putain, casse-toi. Ah non, ce n'est pas la saison, monsieur. Vous prendrez une tapette à mouche, monsieur. C'est toi qui pue, hein. Elle va nous faire chier.